Mais enfin, moi, j'ai une belle histoire avec mes deux acteurs. Premièrement, chez nous, je suis aussi comédien et aussi animateur d'émissions, séries, tout ça. Et j'avais fait une émission, j'enregistrais une émission où j'interviewais Antoine. Et avant qu'il fasse Mommy, et avant qu'on le voit même dans le clip Indochine, et je l'avais rencontré, il allait faire un saut à l'élastique du haut de la plus haute plateforme en Amérique du Nord. Et puis pour Amnesty International, je le rencontre avant de faire le saut, un garçon un peu timide. Oui, mais en même temps, il y avait une timidité, une grande sensibilité. Je trouvais ça très réservé. Et on fait un bout d'entrevue, on fait l'autre entrevue en haut de la plateforme. Et là, c'est un autre personnage. D'un coup, il était rendu hyper groundé, les épaules droites, il était prêt, il avait l'œil vibrant et prêt. Et j'ai fait, je trouvais ça super intriguant de voir ça. Et pour moi, lorsque j'ai envoyé le scénario à Antoine, et il l'a lu, il a pris une semaine pour y réfléchir, ce qui est tout à fait normal. J'ai trouvé que c'était une grande maturité de sa part pour ce qui se passe dans le film. Et du coup, il m'a fait souffrir parce que pendant une semaine, moi, j'attendais. Puis je me disais, aïe, aïe, aïe. Puis plus les jours passaient, puis je me disais, je pense qu'il le fera pas. Et là, du coup, il m'appelle un matin. Je suis en voiture. Et là, je vois son nom sur l'afficheur. Là, je fais, oh, boy, boy, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je commence à me ranger sur le côté. Et là, il répond. Et là, je fais, allô, Antoine? Et là, il prend sa voix d'acteur, mais vraiment, il fait, oui, allô, Yann. Et là, je fais, et là, dans ma tête, je me dis, il prend une voix dramatique. Je fais, c'est foutu. Non, mais vraiment, là. Puis c'est vraiment, oui, alors, écoute, j'ai réfléchi. Et là, je fais, c'est fini, c'est foutu. Je l'écoute à peine. Et puis, il fait, j'embarque. Et là, dans ma tête, ça fait, quoi? Et là, ça fait, et là, j'étais hyper heureux et tout ça, mais il me l'a joué total. Et puis, oui, mais après ça, moi, je me retenais parce que je me disais, Tu jouais cool, là. T'avais en fait, OK, cool, OK. Oui. Ben écoute, on va avoir du plaisir. Tu vas voir, ça va bien se passer, vraiment. Oui.